Le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour du Christ, alors qu'avez-vous fait de lui? Du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes la paix du Christ, alors qu'avez-vous fait de lui? Le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes la joie du Christ, alors qu'avez-vous fait de lui? Visage du Seigneur, je cherche. Bonjour, cher téléspectateur de la radio, la radio de la radio. Que je vous dis encore nous bien avec nous ce matin. Bon, on va pas dire nous. Semaine qui va venir c'est fait ce matin tout que c'est occasion pour nous prier pour lui. Pour nous prier pour lui, pour nous demander de continuer. Bénir parce que ce matin nous va dire depuis enfant. Maman, bon Dieu t'ai choisi lui pour ton religieuse. Bon Dieu t'ai choisi lui que pour tes professeurs. Bon Dieu te choisit tout pour débarrasser en cœur de mère. Moi, parce que Jean ce matin toujours dit, même les religieux de Marie petite, et même les connaît le vont pas être petite. Qui est toute couleur, toute nation. Et réellement c'est vrai parce que c'est pas des jeunes que la première à Rome, l'université pontificale Salesiano. Il fait que 8 mars, on va dire nous c'est l'anniversaire de ce matin, quoi. Journée internationale de la femme. Ben nous avons comment qui religieuse, cette journée internationale de la femme, c'est juste ça. Et que mon Dieu, c'est juste ça, mon Dieu, qui fait venir sur terre. Qui fait que ce matin, il y a bien pour nous avec nous, je vous dis, encore, et septième chapitre, parce que, et François, et Fateli Touti, nous tous ses frères. Mais je dis, il y a bien pour nous avec nous, surtout, dans ce septième chapitre-là, la valeur, et l'essentiel du pardon. Ce matin, bienvenue, la vie que nous avons tous, et auditeurs, auditeurs de Radio Solidarité. Nous avons commencé de bonnes fêtes. Merci en pile, frère Tom. Merci. Et pour la prière, nous avons fait pour moi,
pour me dire bon Dieu merci pour don la vie ça que li bon moi et puis pour me capable continuer bali parce que et son la vie ti kal bagay nou ka bay c'est retourner la retourner tout don nous recevoir la main bon Dieu donc moi dis merci merci tout auditeur télé spectateur qui a écouté moi dans moment ça ou bien qui va le écouter ma après émission moi saluer monseigneur Sansarik monseigneur André tout staff radio télé solidarité pour accueil nous toujours ban moi et puis pour possibilité ça son opportunité pour me partager avec nous n'a continuer parcours nous et puis dans parcours nous et qu'il en presque que tant carême nan nous déjà deuxième semaine nous allons commencer troisième semaine tant carême nan donc et encyclique la présenter nous un thème qui est un thème très adapté pour carême nan l'en chapitre 7e ça n'a pas essayé li approfondir que t'es le pape invité nous pour nous et retrouver une série de parcours pour nous retrouver nous comme citoyens comme chrétiens pour nous capables vivre comme frère acte tout bon vrai et bien le parcours ça il offre nous et bien semaine passée à nous réfléchi et sous et pour nous repartir de la vérité parce que vérité est important pour nous te cavine et gagner yon ça nous rele yon architecture de la paix et artisan de la paix et bien semaine ça li mande nous pour nous ta réfléchir sous ça rele pardon sous importance sous valeur sous sens pardon sens réconciliation et moi quoi son thème qui bien placé le moment ça n'a vivre là qui moment tant carême. Donc, qui ça le pape dit nous? Eh bien, le pape dit nous, avant tout, il dit nous que il y a une série de monde dans la vie qui préférait pas parler de réconciliation parce que yo pensait que conflit, violence et division fait partie des fonctionnements normaux en société et yo dou a fait des réconciliations, ça c'est pas fait par eux. Mais en effet, nous capable dit que dans mitan tout groupe côté gen moun k'ap viv toujours conseil de lutte pouvoir hein, pouvoir k'ap goumen entre yo qui nous capable dit toujours lutte ça yo capable jenye dans tout secteur dans la vie. Donc li di nou conseil de l'autre moun qui pensait que lò bay pardon place lò parler de pardon c'est comme si ou ap renoncer à ça ou gagner ou bay l'autre place pour dominer tellement que nous connaissons que gen proverbe qui dit et pardon c'est moun qui lâche qui pardonne. Alors c'est ça que fait et moun sa yo considérer que c'est mieux que ou préserver un pouvoir ou comme ça dit un jeu de pouvoir pour permettre tout préserver un certain équilibre entre différents groupes yo parce que comme si moun sa yo selon moun sa yo ça ka dire que c'est pas nécessaire pour parler de réconciliation, c'est pas nécessaire pour parler de pardon. Moun sa yo dou c'est au contraire faut exercer pouvoir pour ka kembe équilibre. Gen l'autre moun toujours le pape dou qui croit que réconciliation son faiblesse. Et l'or a couru dit ou a réconcilier c'est parce qu'on pas veut affronter situation hein et comme si ou a fui difficulté yo et puis ou a propose et réconciliation ou a propose on la paix mais son la paix hypocrite son la paix qui apparente. Eh bien et le pape commence pour faire considération ça yo pour dire c'est comme ça en pile moun ouais pardon c'est comme ça en pile moun ouais réconciliation. Alors li invite nous avant tout li dit nous et gonti sous-thème qui li dit nous le conflit inévitable et comme s'il dit nous attention et c'est vrai que gen ça nous relé un conflit inévitable et bien qui ça veut dire li dit nous pardon et réconciliation sont série de thèmes et que moun ki chrétien nous toujours parler de ça parce que comme si
pardon et réconciliation sont thèmes vraiment qui très soulignés dans le milieu chrétien. Et dans toute religion, nous sommes capables de dire, il y a toujours souligné thème ça, pardon et réconciliation. Il dit, le y a souligné pardon et réconciliation, faut que nous fassions attention parce que tu as un risque pour ne pas comprendre vraiment et exactement conviction au monde qui croit dans bon Dieu gagné sous affaire pardon et réconciliation hein? Et nous capable comprendre pardon et réconciliation hein, comme un fatalisme. Ça veut dire que son pas vrai ou tellement ou parler de pardon et réconciliation comme un refuge, alors ou capable son pas attendre nous son pas vrai ou venir alimenter ça relé un fatalisme, une injustice, en intolérance et pour capable même tomber dans violence j'en parle. Alors le pape avant tout pour le café nous comprendre ça, il dit nous et songez bien que Jésus-Christ, Jésus qui sente et religion chrétienne, eh bien, il pas jamais invité moun pour fomenter, pour alimenter violence et intolérance. Jésus était toujours condamné ouvertement avec force. Il était toujours condamné la force, la violence. Si nous allons dans le livre Matthieu, dans l'évangile Matthieu, on côté que Jésus dit nous, nous connaissons bien les chefs de nation, voulaient dominer sous l'autre, tant qu'on met, tant qu'on grand nègre, pour faire nous sentir pouvoir. Il dit nous, attention, nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire comme ça. C'est l'inverse, c'est ça à côté, il dit nous, attention, qui a fait nous rele, qui a pièce pour nous faire rele, yo met. Parce qu'en pile grand nation, yo prend pose à dominer l'autre, yo, pour faire comprendre si yo met. Il dit nous, attention. Bon, l'autre côté, dans l'évangile là, les disciples, t'es besoin qu'on ait combien de fois qui j'en ai dû pardonner, yo te pose Jésus question. Combien de fois nous devons pardonner? Jésus dit, yo, 77 fois 7 fois. Ça veut dire 77 fois 7 fois. Dans le langage biblique, là, ça veut dire tout temps gain temps. Parce qu'il n'a pas dit 77 fois. Il n'a pas dit 7 fois. Il dit 77 fois 7 fois. Comme si son langage, on ne va pas comprendre. Eh bien, 77 fois 7 fois, le langage biblique, là, ça veut dire que pour tout temps gain temps. Donc, nous déjà, ouais, l'évangile là, mettez-nous clair. Sous importance pardon. Pardon, c'est qu'on va gagner ou bail le dodou à mon ouvre dodou. Son exigence, l'évangile là, surtout pour nous-mêmes qui disons nous c'est chrétien. On l'autre côté encore, Jésus ba nous exemple pour démontrer nous importance pardon. L'elle te parle nous de serviteur qui était sans pitié. Nous songez, c'est tout ça, tout nous jeune dans Matthieu 18, côté Jésus expliquait. Parabole ça, on serviteur qui était doué et puis l'almandé à genoux devant maître là pour demander tant prie prends patience m'pral m'après mettre tout d'être là et à la fin maître là aller qui wel était en difficulté maître là pardonner maître là dit pas gain problème OK m'a gain patience m'pardonner ou pas doué encore et même côté maître là fin pardonner là lui-même lui joindre l'autre monde qui était doué pour tel jeune monde qui était doué là, il dit dégage et paye. Moun sa te la même situation avec lui. Il pas de capier, il dit tant pis s'il te plaît, prends patience pour moi, m'a travail, m'pa oublier, m'a payo, il dit m'pa la fait patience quoi m'a dit là, il prend, il fait moun nan, il fait mettre en prison, il fait mettre moun nan en prison. Et bien, et Jésus par exemple ça pour le dire nous, et bien serviteur ça qui sans pitié comme ça et bien, il n'y a pas de pardon, c'est lui-même qui va bailler pardon. Dans l'évangile, là, toujours, et nous remarquons, le pape dit nous dans l'encyclique, là, nous remarquons que dans l'évangile, là, dans le Nouveau Testament, et première communauté, à premier monde, premier disciple Jésus, première communauté et chrétien, ils ont plongé dans un monde païen, là où ils ont commencé ouvert. Ak moun grec là la Grèce c'était un monde païen qui était plein corruption qui était plein dérive qui était plein division. Eh bien communauté chrétienne non, yo pas fait tant qu'on mettre sans pitié.
yo te gen pile la patience, yo te gen pile tolérance, yo te gen pile compréhension et c'est comme ça que tu arrives à pardonner. Donc nous gen pile texte dans le Nouveau Testament qui très clair, qui montre nous et qui mande nous et pour nous pardonner. Par exemple, Saint Paul dans l'Épître à Timothée, il dit nous attention et faut que nous parler avec ennemi nous yo avec douceur. Faut que nous pas calomnier l'autre yo. Faut que nous éviter discussion sans importance, sans sens. Faut que nous montrer nous bienveillants, montrer nous gentils. Faut que nous témoigner l'autre moun yo en parfaite douceur. Ça veut dire que faut que nous montrer que nous gen cœur, nous gen bon cœur. Parce que et nous toutes on fois nous t'es insensé, nous toutes nous gen ti faiblesse nous. Donc faut que nous capable traiter l'autre avec douceur parce que nous toutes nous gen ti faiblesse nous gen ti tort nous. Faut que nous comprenne ça. Ça c'est toujours et lettre Saint Paul à mon Tite. Donc l'livre avec des apôtres là et livre avec des apôtres yo et dit nous que disciples qui étaient persécutés par certaines autorités, ils étaient toujours en faveur peuple là et ils étaient toujours gain force pour demander pardon. Si nous pensons exemple Saint-Étienne, ils étaient calomniés et puis ils t'après aller et ils t'après ils cloué sur la croix même avec Jésus seulement parce qu'il était chrétien. Premier disciple, eh bien, Saint-Étienne qui premier martyr, eh bien, Saint-Étienne, il t'a pas mourir, qui ça le dit, eh bien, il t'a dit, même avec Jésus, pardonnez-le. Vraiment, il vive tout et drame et Jésus. Il était sous la croix, il t'a pas mourir, même avec Jésus, il t'a dit, papa, pardonnez-le. Moi, mettre la vie dans la main, mais pardonner parce que même tout pas comme ça il va fait même Jean Jésus t'a fait l'aide sur la croix ça veut dire eh bien et élément ça yo il veut dire nous que pardon hein et moun k'ap vive dans religion chrétienne yo eh bien pardon a une valeur exceptionnelle pardon a une grand valeur alors le pape dit nous malgré pendant n'a réfléchi sur pardon ça sous la paix, sous la concorde sociale, eh bien nous joignons nous tous on l'autre et affirmation Jésus, on l'autre phrase Jésus dit nous qui on peut surprendre nous, qui fait nos petits gens rester à bouche bée. Parce que l'autre côté toujours dans l'évangile Saint Matthieu, côté le pape dit nous et côté Jésus dit nous, eh bien pas penser que moi-même moi venu pour me porter la paix sur la terre. Moi venu pour me porter moi pas venu pour me porter la paix, moi venu pour me porter glaive, pour me porter la guerre. Parce que Jean me dit nous n'a bien pour nous ouais. Et n'a bien pour nous joindre papa petite contre papa petite contre maman maman belle-mère contre belle-fille, belle-fille contre belle-mère et puis nous capable joindre aîné dans propre famille. Et parole ça yo, nous joignons yo dans Matthieu 10 34 36. Je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère, la bouille à sa belle-mère et on aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Donc l'important pour nous comprendre ça Jésus voulait dire nous faut que nous comprenne contexte chapitre ça côté Jésus parlait de que la mettait famille yon dosado pour qui ça eh bien parce que le thème ça qui ça Jésus voulait dire le parler comme ça il voulait parler nous que fidélité avec pardon, il doit venir tourner un choix. Sans honte, sans aucune honte, sans nous pas perdre la face, sans contrariété, sans nous pas gain compromis dans ran nous dans proche nous. Ça veut dire que qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il voulait dire que
Lorsque un monde fait choix pour moi, eh bien, lorsque fait choix pour Jésus-Christ, eh bien, pas de monde qui est contrarié. Si maman ou papa ou contre, eh bien, on va continuer le choix. Ou pas de pour mesurer le choix. Et ça fait une phrase ça, qui est capable de sembler une phrase qui est paradoxe, ça veut dire qui est en contradiction à ça Jésus dit, à ça Jésus qu'on prêche nous. Non, non, Jésus voulait porter nous à radicalité, détermination, ça y est, l'on fait choix pour bon Dieu. L'on fait choix pour bon Dieu, il n'y a pas de monde qui a rété l'en même temps. Si vous faites choix pour bon Dieu, maman compte tout, eh bien, vous me dites, maman, moi regrette ça, eh bien, bon Dieu avant tout. Vous faites choix pour bon Dieu, bellement compte tout, ou dit belle-mère, eh bien, vous regrette ça pour vous. Eh bien, c'est bon Dieu qui est au-dessus de tout. C'est ça Jésus dit. L'elle dit, et ou a besoin, et il n'est pas venu pour le côté la paix, et puis ou a besoin, il propre monde, la famille, on cap compte tout. Parce que depuis où on compte bien ou a fait, eh bien, laisse ça Jésus dit, eh bien, ou pas. Le ça, bon conflit qu'a créé, ça fait le titre là, le conflit inévitable, son conflit pral le créer, parce que le conflit a, son conflit pral le créer, parce que ou fait un choix pour le bien, et puis c'est même la propre famille ou a besoin de monde qui pas vle choix ça qui t'a remis un autre bagaille et ça fait et l'abdou le conflit inévitable dans la vie a ou pas jamais joindre monde ça Jésus voulait dire nous là dans la vie ou pas jamais joindre monde qui d'accord avec ou à 100% souhait ou a chercher pour tout monde d'accord avec ou à 100% et mais ou pas jamais vivre la vie ou vraiment parce que bon bagay, ou ap vle fè, et bien ou ap bien tel, kap kontou. Bon lot ou ap vle fè, ou ap bon lot entel, kap kontou. Alors, c'est ou pou konnen ki sa bon Dieu vle de ou, ki choua pou fè nan la vie. Et de pou fè choua, ou ap jenon moun ki kont choua sa fè. Alors, c'est ça Jésus vle nou di. Il di nou, fòk nou fidèl a choua ki sa ki bon, a choua, lò chwazi sa ki bon, lò chwazi sa ki bel, lò chwazi sa ki vre, et bien le sa, même si ou a besoin de monde qui compte ou faut qu'on aller dans bon chemin. Pas oublier petit chapitre là c'est des parcours pour nous capable retrouver nous. Qui parcours qui bon nous capable retrouver nous tout bon vrai, là nous choisir Jésus-Christ et bien nous choisir dans la vérité, nous choisir dans pardon. Alors c'est ça qui fait et nous gain et Jésus non en ce qui a parlé nous de ça. Donc il dit nous conseille de conflit c'est pas où qu'elle cherche elle son série de conflits qui viennent peut-être choix ou faire donc qui j'en pour faire ou pas prêt à aller chita ou à alimenter conflit et puis pour conflit à venir tourner la guerre mais ou à chercher cohérent avec ça ou choisir et puis ou pas chercher by l'autre monde notre trop importance qu'à persécuter ou parce que ou même on fait le bien ou à quitter l'autre là tomber ou pas aller chercher et l'en division avec lui. Et on va continuer à faire le bien parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas bien fait. On va chercher cohérence, on va chercher décision pour capable abandonner conflit d'intérêt parce qu'on va chercher le bien. Il y a un autre titre, un sous-titre qui dit nous les luttes légitimes et le pardon. Donc les deux gros conflits qui est inévitable, le conflit inévitable ça arrive, eh bien faut qu'on ait patience. Ou continuer tête droite parce que le ça ou connaissez bien ou a fait. Mais il dit que conseil de conflit qui m'a aidé pour lutter. Et le ça faut qu'on lutte. Parce que il dit non, ça pas veut dire l'on a proposé on l'a nous proposer pardon, nous dit maintenant pour renoncer droit aller. Pour nous renoncer à droit nous devant une puissance qui corrompue. Devant un criminel, devant un monde qui a dégradé dignité. Il dit, c'est pas ça, pardon. Il dit, bon Dieu, il est nous pour nous remer tout le monde. Tout le monde sans exception. Nous devons remer au même monde qui a opprimé nous, il faut que nous remer. Mais il nous dit que nous remer le monde qui a opprimé nous, ça ne veut pas dire que nous d'accord avec mal l'affaire. Ça son discours pas facile non, il pas facile pour pièce monde.
li pa fasil pou menm ki on moun ki kretien. Parce qu'on dit, si on moun raïm, fok moun raïm tout. La loi du talion. Mais Jésus dit nous, non. Moun nan krayou la, selon l'évangile la, ou doit remèl. Mais l'aide ou pou remèl nan, sa pa vle di ke, ou pa, ou jo pa ouve, ou pa comprendre que son moun fa fè zak ki pa sa. Li di ou remèl, fok ou remèl. Mais ou ta supposé aider moun sa pour ka changer la ville pour pas continuer à opprimer l'autre monde. Donc et comme sou ta dit le pape dit non, c'est comme si ou ta doué engager pour retirer pouvoir ça le gagner, pouvoir ça ka fait l'autre souffrir. Donc alors nous comprendre que ça mandé pour nous lutter, ça mandé que pour nous parler, ça mandé pour nous gagner courage, ça mandé pour nous défendre droit nous parce que il dit non, pardonner l'autre là. Pa vle di ke pou pèmèt li a piétine ou. Pou pèmèt li a fè a fò sal vle. Pardonne la, se edèl pou l'kite. Pou l'kite mouvè izans sa yo, mouvè bagay sa yo. Dok li djou, si ou ap subi an injistis, ou dwe defann dwa ou. Dok, atansyon, pou nou pa konfon a fè pardon pou nou toujou tounen victime. Li di ke sou ap subi enjistis, eh bien, fòk ou defann dwa ou, fòk ou chèche la jistis. Men chèche la jistis la, se pou la jistis personèl kote ou pral fè revendikasyon tèt ou. Ou ta supose, e sa fè son apel sosyal tout, sosyete a sa supose gen institisyon pou ki ede ba jistis la pou ke ou moun ki fè, ki komet an to, pou ta kapab komet, peye to li, jan sa doa. Paske, pardon, le nou la pale pardon, pardon pa anule doa lot yo. Pardon pa anule sa yo le justice. Moun nan ki fè, sa le pardon fè, li doe peye pou sa. Wap pardonel, men ou pa pral rive non zat. Justice ki ekstrem. Denye pa kou kote lwa lupe nou pale nou, lwa lupe nou don lot pakou, pe gen kek peyi ka pren toujou, pakou nou le pen de mou. Don, li di, an okan ka, nou kapab aksepte, wal touyon lot moun paske lte fò di to. Mem si lte touyon moun nan fò moun, ou pa gen ou menm pou tuyel. Paske sou al tuyel, pa vle di ke ou fè menm javel, ou son kriminel menm javel. Don, e, li di nou, esensyel, se ke nou pa dwe nouri la colère pour qui nuit nam nou nuit tête nou nuit cœur nou parce que là ça vivent tourner maladie pour nous mêmes tout vivent tourner maladie pour pas gen un monde qui ca gen la paix si lui-même il pas besoin ca obtenir la paix si lui-même il pas chercher réconcilier avec tête lui avec la vie. Ça veut dire que faut pas quitter et vengeance, rancœur a miné nous. Dès pour avoir gain rancœur, dès pour avoir vengeance, ou envie vengeance, ou pas besoin gain la paix. Et puis la miné la paix ça a porté, il doit même porter maladie pour la faire ou manger froid. Nous connaît ça c'est en parenthèse m'a fait c'est pas document deal mais c'est pour me commenter document nous connaît gien monde gien côté gien université et l'université la paix côté pour aider moun yo faire chemin de libération pour qui ça yo fait des recherches scientifiques côté yo montrer que grand pile maladie parmi maladie ça yo cancer cirrhose du foie qui gien cause yo nan moun ki pa gen kapasite pou yo pardonne. Sa vle di ke son moun ka viv tout sa vi avèk stres, li kembe, li pote yon moun sou l'estomak li, li gon rankèr telman bagay, a long term, e sentiman sa yo vina agi sou yon seri de organ vital, kankou kèr, kankou fwa, e li vigè la menm bon kanser. Yo fè de recherche yo wè sa. Et yo fè des recherches côté, yo montre que ki jan, bon seri de moun ki te gen maladie incurable,
yo aller la racine, yo wè que racine maladie là, c'est rancune li gen nan kèl, yo fè un chemin de libération, et au fur et à mesure moun sa vin rejoindre la santé. Donc mes amis nous wè, a fè pardon, c'est pas seulement un discours chrétien, son discours qui touchait tout le monde. M'a continuer avec le pape, ça c'est une parenthèse pour me faire nous wè ki jan nous pas de garder sentiment vengeance, sentiment de haine, sentiment de rancune parce que le pape fait nous bien. Dès pour ou prêter à long terme avec sentiment ça yo, eh bien c'est comme si c'était tout ou fait mal et comme si c'est même mal moun ça te fort là ou continuer baiter tout. Et comme si moun ti ma ou mato ou continuer frapper côté même moun qui te fort souffrir ou même ou continuer souffrance là. Et le pape dit nous nous pas gain pour nous faire ça. Nous pas capable admettre pour nous unir nous pour nous venger nos mal yo te fait. Alors c'est ça que fait, il dit nous nous supposer et engager nous pour dépasser héritage injustice, héritage défiance. Nous pas capable songer que pour nous si nous voulons gain la victoire sur le mal, et bien la victoire sur le mal là fait avec bien. La victoire sous mal là faite avec et avec valeur qui fait promotion con réconciliation solidarité la paix et seulement comme ça nous capable vraiment vivre joindre la paix ça que n'a cherché. Donc le pape dit nous après eh bien qui ça y est la vraie la victoire là. Il dit là où nous est conflit au pas jamais résoudre nous enterrer dans le passé nous enterrer dans conscience nous et bien là ça nous pas jamais guérir. Il dit nous gain des conseils de silence, silence ça est complice, conseil de silence qui complice avec péché grave société à péché grave conseil de groupe. Il dit nous réconciliation, vraie réconciliation, hein? C'est pas les nous fuit conflit. Vraie réconciliation, hein? C'est les nous gain courage pour affronter conflit, hein? Pour affronter conflit face à face, pour nous dépasser. Alors là, ça nous capable dialoguer avec l'autre monde, hein? Pour nous capable négocier. Dans la transparence sincère et patiente, et c'est là ça nous capable de vivre une vraie réconciliation. Donc là où il y a un paquet de luttes entre secteurs différents, il y a hostilité, il y a haine, il y a haïssance, eh bien ça va pas porter nous, ça va pas bannir nous la victoire, ça va pas bannir nous la réconciliation. Il dit nous plusieurs fois dans tout ça l'a dit. Le pape lui dit nous plusieurs fois moi proposer nous un principe qui est indispensable pour nous construire l'amitié sociale. Il dit nous principe ça c'est que l'unité est supérieure au conflit. Tête ensemble plus important que division. Donc il dit nous l'aime dit nous ça, on pas veut dire nous faut que nous tourner, faut que nous vivons syncrétisme côté l'on mélimélo. Côté yon fon yon perdit dans l'autre là. Li dit c'est pas ça me veut dire nous. Me veut dire nous capable résoudre conflit nous sur un plan qui supérieur. Ça veut dire que l'or et un conflit sont opportunités nous gagner pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous dialoguer côté chaque monde capable bail ça gagne plus importance pour lui et puis au contraire chaque monde a une potentialité ou une valeur pour mettre dehors l'on met en dialogue avec l'autre là. Il dit que chaque fois que comme monde, comme communauté nous essayer viser plus haut que intérêt personnel nous, et bien là ça nous capable dire société a changé et nous capable résoudre problème nous et nous capable arriver l'on unité qui fait tant qu'on mosaïque, pas oublier, semaine passée, on a parlé de unité polyède, une unité qui a plusieurs faces, pour que nous capables de vivre à une nouvelle vie.
belle bagaille parce que son richesse côté tout le monde joue une place. Alors c'est ça que fait le pape prend un autre mot pour le dire nous pour nous vivre vraiment construit pardon ça eh bien nous t'a supposé éduquer tête nous dans ça y est la mémoire. Il dit faut que nous gagne mémoire. Pardon social là. Il dit pardon social là, pas jamais capable fait si que nous propose que nous oublier ça passé. Il dit non, réconciliation sont fait personnel. Mais pas gagne un monde qui ca imposer un l'autre pour le réconcilier. Pas un monde qui capable imposer toute une société pour le réconcilier si société a pas décidé engagement. Li di non, l'on parle de moun personnellement, son décision libre, une décision généreuse, une décision grand cœur pour moun capable prendre pour capable demander l'autre la pardon pour renoncer à sa rele un châtiment. Même si société a avec justice là capable demander, on moun personnellement capable dire on pas donner l'autre là, on pas vle pour yo ba aucun peine. Ça sont décisions que on moun capable prendre. Mon pas ou pas capable mandé toute une société pour ta décréter une réconciliation générale sans que ou pas soigner blessure yo. Ça est important. Hein? Et ça fait du une société côté pas la paix. Ou pas capable parler de réconciliation. Sou pa nan racine ki sa fè pa gen la paix non li di ou pa ka sou pa soigner blessure ki rete ouvert plaie ki ouvert ka pou sou al nan société côté tout moun a fait manifestation moun yo pa content se nou pense nan pays non non moun yo pa content moun yo pa ket rancune moun pa ket vengeance ou pa ka parler de réconciliation sou pa chercher bay la justice moun a mande justice yo pa joine ou pa ka parler de réconciliation sou pa créer la justice. Moun ap mouri gangou pa jwenn manje. Ou pa pa pale de la paix le moun nan gangou. Le pape di nou. Fòk nou soigne blessure yo nan société nou yo. Fòk nou soigne blessure. Sou ki te plè a ouvè, ou pa ka di moun nan fòk li réconcilié. Ou pa ka di moun nan fòk li blye. Et sa fè li di. Le pape di nou fòk nou fòk mémoire sou bagay ki important. Ki es qui a un droit dit que li pral pardonner au nom l'autre ou pas ka di ou pral pardonner au nom l'autre pour qui ça parce que pardon ça pas jamais passer parce que c'est chaque monde qui décide et puis ensemble pour décider pour nous bailler pardon ça surtout faut que pas jamais penser que faut que nous oublier ça qui est passé à pour nous réconcilier et le pape pour faire nous comprendre ça est les devoirs de mémoire ça li reprend toute une série de faits de l'histoire. Par exemple, li commence par parler nous de la Shoah. Vous comprenez ça, la Shoah? Shoah, c'est groupe persécution. Hitler était fait contre tout hébreu. Il était exterminé tout peuple hébreu et apporté au l'enchant champ d'extermination. Pour qui ça? Seulement parce que hébreu était hébreu. Alors, il dit, par exemple, on bagaille comme ça, nous pas cabliel. Pour qui ça nous pas cabliel? Il dit, non, et Shoah, c'est symbole qui démontre nous l'an qui point méchanceté les hommes qui arrivent, l'an qui point fausse idéologie qui arrivent, l'an qui point nous qui oublier et dignité fondamentale monde. Ramasser toute une population pour tel l'an champ gaz faire mourir. Ramasser toute une population mener au l'an champ concentration, bailler la travail forcé et puis tuer. Le pape dit non bagaille comme ça nous pas cablier parce que c'est une preuve de jusqu'à bon méchanceté les hommes capable arriver et c'est ça que fait et le pape dit non le m'a pensé ça on pas cablier ça forme la prière pour ça et le pape invite nous font la prière m'a fait Jean l'écrit en français comme ça le pape dit non. Souviens-toi de nous dans ta miséricorde. Donne-nous la grâce d'avoir honte de ce que, comme homme,
nous avons été capables de faire. D'avoir honte de cette idolâtrie extrême. D'avoir déprécié et détruit notre chair. Celle que tu as modelée à partir de la boue. Celle que tu as vivifiée pour ton anel, pour ton haleine de vie. Jamais plus, Seigneur. Jamais plus. La prière ça, le pape mette un discours que la fait, c'est pour faire nous comprendre que il dit non, nous pas t'adouer tomber encore dans méchanceté comme ça. Et le pape reprend l'autre fait de l'histoire, il dit non, nous pas oublier bombardement atomique Hiroshima, nous pas oublier bombardement atomique Nagasaki dans Japon. Nous pas qu'oublier toute victime, il dit m'incliner devant toute victime côté yo t'es pas respecté dignité koyo dignité nam yo yo t'es baillé les souffrances les plus atroces. Il dit nous pas qu'oublier peuple qui vivent l'esclavage côté yo t'es prend yo raché yo dans pays yo mettez yo sous bateau pour aller vendre dans l'autre pays. Nous pas dit nous nous pas oublier ça, nous pas oublier ça, nous pas droit oublier ça. Persécution esclave, trafic moun. Nous pas dit nous, faut que nous songer. Li dit, li facile jodi a pour nous céder à tentation, pour nous tourner page, pour nous dire ah ça c'est du passé. Nous pas qu'a dit ça c'est du passé. Si nous dit c'est du passé et puis nous pas fait attention, jodi encore pour nous tomber dans ça. Non, le pape dit nous, pour l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas progresser sans mémoire. Nous ne pouvons pas évoluer si nous n'avons pas une mémoire complète, une mémoire lumineuse. Ça veut dire une mémoire qui est claire. Il dit nous, nous avons besoin de garder l'autre, garder la réalité, garder la mémoire. Vivant qu'on flamme dans conscience nous pour nous éviter et ressaire parce qu'elle dit non sinon si nous étions petit petit mémoire mais n'a répété même erreur histoire. Elle dit non victime yo groupe social yo tout monde qui subit violence yo et ben c'est comme si nous vanifier et comme si nous fait comme si ça pas privé nous vanifier et souffrance nous pas bailler souffrance importance et c'est ça que lui dit nous attention moi dit nous t'en prie à climat au world ça pour nous éviter lui dit nous pas fait petit mémoire mes amis qu'on y a peuple haïtien m'a parlé avec nous nous yon ni peuple haïtien ça c'est un bagaille tout nous son petit mémoire. N'oublier l'histoire nous. N'oublier nous joindre moun jodi a kap ki ta besoin pour diktati di vale a tourner. Fè petit mémoire. Nous ta vle tourner nan bagay d'antan, fè petit mémoire. Le pape dit nous songe l'histoire nous. Moi-même moi ajouté songe que nous-mêmes nous son nous son histoire. Zansèt nou yo c'était esclave, zansèt nou yo te lutte pour gen la liberté. Nou gen responsabilité pour nou kenbe liberté sa. Nou même frère Maxime yo peuple haïtien. Nou gen tendance nou même tout tourner en l'autre colon pour peuple, pour même propre pour national, pour même propre et moun pays nou. Quand nous arrivons dans une situation de pouvoir, n'a pesé l'autre, n'a opprimé, n'a remetté, eh bien ça c'est petit mémoire qui brille, ça veut dire esclavage et puis qu'on a qui t'a remis tout dans esclavage. Petit mémoire qui t'a vécu dictature et puis qu'on a qui t'a remis tout dans dictature. Eh bien le pape dit non, mes amis, nous devons un peuple qui gagne mémoire. Faut que nous pas oublier. Et ça fait l'autre petit point. Que lui dit nous, pardon sans oublier.
Ça, c'est notre point. C'est dernier point, elle a parlé de ça. Il dit, nous pardons sans oubli. Ça veut dire, il dit, nous, que, en pile fois, il y a des gens qui comprennent, c'est pour pardonner, il faut oublier. Il dit, non, si nous voulons réaliste, nous pas qu'à comprendre que, de pour pardonner, il faut oublier. Pardonner, alors pardonner au monde, ça ne veut pas dire que oublier, ou pas qu'à oublier. Et ça fait, ça nous cite, on dit, nous pas qu'à oublier, et nous pas qu'à oublier drame, nous vivons dans l'histoire, nous. Mais ça ne veut pas dire que nous vivons avec vengeance manquée, nous. Mais nous pas oublier. Lui dit, nous, ça nous, ça nous voulait dire, c'est que, nous pas capable nier, nous pas capable relativiser, nous pas capable faire comme si bagay sa ou pas arrivé. Et ça le parle nous dit, l'elle dit nous faut que nous pas oublier. Et comme si nous dit bon depuis nous pardonner et comme si l'autre monde n'a pas tout offensé nous. Nous pas oublier. Moi même toujours aimé expliquer ça, les m'a fait catéchisme pour jeunes pour petit monde dit si on monde te ba ou un coup de bâton ou bien coup de manchette, il était blessé ou l'enfant et tout. Ou pardonner. Mais ou pas oublier parce que cicatrice ça rete, ou porter l'homme toute la vie. Chaque fois regarder cicatrice ça, ou pas songer que tel monde te ba un coup de manchette la main ou était blessé ou était obligé coup de li et puis kounya cicatrice ça là. Donc l'on dit pardon sans oublier, c'est ça l'on dit. Cicatrice là, li là. Pas oublier, pas faire comme si c'est pas vrai, c'est vrai. Ou non, mais ou pas porter là que ou libérer ou pas quitter pour moun ça continuer à beaucoup de manchette. Parce que pardon et ça on te dit non, au niveau psychologique c'est ça. Ou pas quitter moun parce que toute fois qu'aimer moun dans le cœur et comme sou quitter moun ça continuer à beaucoup de manchette. On a pas ba ou l'an mais encore ba ou l'an que. Donc pas oublier, là on dit pardon sans oublier, ça veut dire que ou pas oublier un mal y était fort, mais ou capable pardonner. Parce pour qu'il soit capable de le parce que ou pas gain raison et pardon hein son grandeur d'âme son bagage qu'on capable aller au-delà de lui ou capable dire vraiment me libérer mon ça mais max ça le défaut là rete donc ça veut dire que pardon son bagage qui gratuit ou capable bailler son pas résister dans la vengeance. Donc un monde qui pas pardonné pas jamais ka monde qui pas ka senti le pardonné pas ka jamais demander pardon non plus. Donc le pape dit nous ceux qui pardonnent en vérité n'oublie pas monde qui pardonné vraiment il pas oublié mais il capable renoncer pour continuer victime monde qui était fait du tout là ça veut dire que et ça m'a dit nous avant li libérer li pas gain rancune dans cœur pour l'autre là continuer à faire du tort donc ça veut dire que li gain courage pour briser sexe ça qui veut détruire l'ancœur dans foile dans toute sa vie et bien li décider pour pas continuer à dégager énergie vengeance énergie rancune parce que le j'en t'ai dit nous avant souken be rancune nan avant ou après rancune ça pral tourner sous dos encore li pral rend nous malade donc le pape dit nous ou capable pardonner mais ou pas obligé oublier et là il dit ça il dit nous comme ça que vengeance n'est pas résoudre rien ça pas veut dire que pour pas gain pour gain impunité parce que sans pour gain injustice il dit nous justice là, son justice qui doit chercher par amour, par respect pour victime, pour capable prévenir d'autres crimes. Écho, c'est pas. Et peut-être ça, faut gagner la justice. Parce que vous dites, pardonner l'autre là, c'est pas veut dire que oublie ou pas oublier. Faut qu'on ait monde ça, son monde qui dangereux, son monde qui méchant. Et monde ça, puisque le danger et le méchant, faut qu'on crée toutes conditions pour pas continuer à faire méchanceté et ça fait mon ça s'il mérite prison pour le temps réflexion faut qu'il prend prison pour qu'il réfléchisse sous zakli pour capable apprendre pas faire même zak ça encore alors c'est ça vous dites
et pardonner, ça ne veut pas dire que ou dit mon ça et pas d'injustice. Pardon, c'est pardon même qui est capable d'aider ou chercher la justice sans pas tomber dans ce vicieux, nous pas capable dire, de la vengeance, de l'injustice et de l'oubli. Parce qu'il dit, le injustice, ça, il continue à faire injustice, et bien, qui ça a passé, il faut qu'on connaisse, reconnaître que la situation a été grave, et puis c'est ça qui vient porter à la violence. Et en pile fois, violence, ça, c'est violence qui est structurée. Et là, on a pensé, canon, en Haïti, qu'on y a. C'est pas possible. Ponti, point pays, Haïti, en face de l'autre pays. Haïti, son petit point dans la mer, qui sa pays sa pays, pour pas capable dominer pays sa, pour pas capable bien contrôler. En pile fois, c'est parce que c'est structure sociale, structure politique yo qui déjà corrompu. C'est même moun qui t'a adoré by justice là, c'est eux même qui fait ça, qui fait ça. M'pa vle entrer dans affaires sociales pour parler publiquement parce que m'pa gen argument suffisant, mais ça qui passe en Haïti kounya, son gang on a organisé, c'est pas possible pour un pays lagué en débandade. L'homme kidnappé. Mais quand on joue ça, avec tout moyen technique qui gagne Kounia, qui ça gagne pour pas ta contrôler pour qu'on qui monde qui fait qui zak, le ou comme mieux qui boyo mené pour ta mettre main sur yo. Qui gens ça va faire? C'est pour bagaille qui normal. Monde qui fait banditisme, monde qui fait gang, monde qui fait kidnapper, c'est monde qui bien organisé et puis yo gagne et probablement yo gen et moun de yo kap soutenir yo et moun kap soutenir yo c'est pas n'importe qui structure sociale yo les gens disent structure sociale corrompue structure sociale injuste son système violent son système qui corrompu qui fait que kap mette la souffrance dans pays a kap mette de l'eau langé famille yo le kap reprendre mot évêque et pays de l'Est, quand elle dit non, eh bien, nous devons à toutes les victimes innocentes le même respect. Nous devons mon respect. Si pas normal, quel que soit mon, lui dit non, il ne peut ici y avoir de différence raciale, confessionnelle, nationale ou politique. Dans le pays, non, c'est comme si qu'on y a, ou dit, pas go, mon respect dans le pays. Yo kidnappé mon qui dans le gouvernement, yo kidnappé si marche dans la rue, yo kidnappé grand monde, yo kidnappé petit monde, yo kidnappé père, yo kidnappé mère, yo prend tout le monde. Mais c'est pas possible. C'est son pays qui paye. Le pape dit non. Tant pris souple. Fais ça nous capables. Pour nous vivre pardon ça. Pardon ça. Les nous manquer pardon social, ça veut dire que pas gain pardon l'enquête chaque monde. Mon quoi mes amis, la deuxième semaine et carême ça n'a vive là, thème pardon ça, thème réconciliation ça, son thème qui est central. En plus de parole de pape là, m'a invité nous toutes, chaque monde pour nous entrer dans fond fin quoi nous, qu'est nous, pour nous qui est moi gagne, moi kembe dans kembe pas pardonner. Et puis pour nous faire un geste en plus, un supplément d'âme, nous t'a pas dit, pour nous tous, nous t'a dit, dans ce même ça, nous pas l'engager, nous, pour nous pardonner au monde qui fait nous, au temps, pour nous collaborer dans le système pardon qui t'a dû régner dans le pays, nous. Nous, chaque pose un geste de réconciliation, côté nous vivre, dans la relation nous gagnons, pour nous dire ça, c'est engagement, nous. Pour nation nous, pour pays nous, on t'a réconcilier. Pour t'a chercher chemin, route pour nous joindre la paix. Parce que nous pays a pas qu'à descendre plus bas que ça. Pays a son pays qui déjà dans ses cailles pour l'enterrer, pas capable encore. Le pape conclut parti ça. Là encore il fait la prière. Il m'a fini avec la prière ça.
Puis dis-nous, je demande à Dieu de préparer nos cœurs à la rencontre avec nos frères au-delà des différences d'idées, de langue, de culture, de religion. Demandons-lui d'oindre tout notre être de l'huile de sa miséricorde qui guérit les blessures des erreurs, des incompréhensions, des controverses. Demandons-lui la grâce de nous envoyer avec humilité et douceur sur les sentiers exigeants, mais féconds de la recherche de la paix. Nous demandons cette grâce, nous demandons force, persévérance dans la prière pendant la semaine ça, pour nous toutes, nous capables d'engager nous, pour nous chercher la paix dans le coin famille nous, la paix dans le quartier nous, la paix dans le groupe nous, dans l'église, dans la paroisse, comme engagement pour nous collaborer pour la paix dans le pays nous, en Haïti. Merci parce que nous t'écoutons, moi, parce que nous avons marché ensemble pour nous chercher la paix. Moi, nous souhaitons une très bonne semaine et puis la prière tout pour toute fille qui a une dignité dans la société parce que le 8 mars, c'est fête pour une absence de journée internationale de la femme pour fille rejoindre dignité pour être capable d'engager pour transformer la société. Parce que moi, toujours quoi, transformation de la société la passer avant tout à travers les femmes. Donc, nous-mêmes, mesdames, prenons-nous, défendons-nous, engagez-nous pour nous capables de bailler ça nous cabaye. Nous souhaitons une bonne semaine. Et que ce matin, que vraiment, que non, Bishop Sarek, non, Monsieur André Pierre, que Nabdo, vraiment, vous merci, parce que réellement, que Nabdo, que nous avons besoin d'un prédicateur pour carrément là, ouais, pour retraite, parce que vraiment, que bon. Et thème, pendant que tu étais pardon, que bon. Et d'après réfléchir, d'après questionner, peut-être pas Nabdo, ouais, bon. Côté où dit, et que pour des papes latinos, parfois conflit yo, parfois yo kon inévitable. Ou voyage ces conflits, mais parfois il y a des conflits qui sont inévitables. Et surtout que l'air que c'est ou na bon Dieu. L'air que ou na bon Dieu, ta l'air ap devant tient intérêt pour nous. Ouais. L'air que ou na bon Dieu. C'est ça que faut ajouter pour moun yo. Ouais. Et là, nan moment sa yo, bon, que c'est surtout, nan moment conflit yo, faut réellement ou travail pour mon dialogue tout. On aggrave le conflit. Parce que pas bien solution, soit par exemple, on dialogue qui sincère et honnête. Bon, peut-être que parfois c'est capable nous, peut-être dans le pays d'Haïti. Côté que son pays depuis 1804, et que nous trouvons des conflits, nous avons des conflits, un peu le coup d'État, bon, gouvernement vini, gouvernement allé, c'est toujours un problème. Bon, le fait que nous avons des mondes, on, qui en bas, capitulise le conflit. Mais nous, même ça que nous pas accepter parfois. Si tu as entre nous qui nous dit que nous ne pouvons pas arriver là, il faut que le pays ait passé avant le monde. Il faut que l'intérêt personnel et que ce n'est pas intérêt personnel. C'est avec intérêt personnel qu'on va diriger le pays. Il faut que l'on trouve le bien commun. J'ai pas peur. Le bien de la pile dans l'encyclique ça. Il faut trouver le bien commun. Et qui fait que tout, nous-mêmes comme chrétiens, tout, que c'est sûr que nous avons pour nous faire face avec tout le bagage, le conflit. Côté que nous disons que c'est très important et pas répéter le tout, ou utiliser la parole peuple. Pardon, ce n'est pas ça veut dire qu'on est obligé sans monde de faire. Pardon, ce n'est pas ça veut dire qu'on est obligé de retourner. Même l'on va donner mon nom obligé à continuer à mettre dans la situation pour mon nom réformer le bagage encore. Là, c'est que pardon à tout, il faut qu'il y ait la justice. Ou parler de paix tout,
Parce que réellement, que nous ne pouvons pas construire la paix, les gens qui sont en train de nous ne pouvons pas construire la paix, les gens qui ne peuvent pas travailler. Nous ne pouvons pas construire la paix, les nous qui ont des jeunes vraiment bons, que pour raison de l'autre, qui finit étudiant, qui ne peuvent pas faire un travail. Qui veut que nous ne pouvons pas faire des choses vraiment que pour nous, vraiment résoudre. Et que ça, que bon, ce n'est pas à travers la violence tout que nous résoudre. Jésus contre la violence là, que vous dites, et Pape là, que vous dites là, contre la violence. Toi. Contre la violence, ce n'est pas la violence qui va le résoudre, mais ça va empêcher tout parfois, il faut qu'on va bouter mes doigts. Il faut qu'on va dire que tel bagage n'est pas bon. On. Il faut qu'on va utiliser toutes mesures sans qu'on soit obligé d'utiliser la violence pour résoudre un conflit. Qui fait que ce matin, encore que, comme moi, je dis, année ça c'est un de grâce liée pour nous-mêmes à travers émission ça et fatigue tout dit que n'a pas n'a plus le bagage que ça aide nous questionner nous comme nous qu'est-ce que nous voulons qu'est-ce que c'était que nous voulons bâtir et qui fait que ce matin que c'est sûr le 8 mars nous connaît tout le peuple bon Dieu à bon pensée spéciale pour parce que c'est jour anniversaire. N'a pas pensé spécial pour toutes les femmes haïtiennes, et bon, qui sont élevées partout, bon, parfois qui vivent, parfois des moments difficiles, qui prennent et beaucoup de risques. On peut vous apporter pain, la caillou, ça sous le camion, etc., ou bien qu'à vivre, non pays étranger, qu'à accepter un paquet, et humiliation, juste pour aider peut-être famille, soit qui va voir ici, soit qui en Haïti. Qui fait encore, non, Bishop Sarik, Non, moi c'est André Bien. Et tout staff radio de solidarité nationale là, n'a pas de bonne fête ce matin, parce que nous connaissons les 8 mars là que, et physiquement, que c'est sûr que nous avons fait, peut-être pour nous, well, ni parler avec vous. Mais, vous connaissez que vous vraiment, nous prions nous, et nous, on est super bon Dieu à vraiment pour la prière pour vous, ça. Merci en pile, merci pour la prière parce que ça c'est un plus gros cadeau. Un cadeau ça qui est important. Merci en pile. Nous souhaitons une bonne semaine. Merci. Thank you.
était, je vous avais dit, aimez-vous comme les frères. M'avez-vous obéi quand je vois aujourd'hui mes enfants torturés, sans amis, sans espoir, abandonnés.